Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme vous le voyez, les prêtres portent aujourd'hui la couleur rouge, la couleur du martyr, car nous fêtons une patronne de l'Europe, Thérèse Bénédicte de la Croix, plus connue sous le nom de Edith Stein. Cette juive convertie au catholicisme, devenue carmélite comme sœur Lucie, et qui est morte durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, demandons l'intercession de Sainte Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui a su allier une foi profonde et une intelligence vive, elle était philosophe, pour que nous aussi, nous puissions en toute chose défendre la foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui déploie ta puissance dans la faiblesse, écoute ceux qui célèbrent la gloire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle a reçu de toi la force de vaincre, qu'elle nous obtienne la grâce de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Nahum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob, comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, tout de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épées qui flamboient, lances qui étincellent, innombrables blessés, accumulation des morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle.
tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra ? Où donc trouver des consolateurs ?» Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Si j'aiguisais l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerais la vengeance contre mes rivaux, je réglerais leur compte à mes adversaires. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il les rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles, quel que soit le groupe auquel vous appartenez pour faire un pèlerinage ici à Fatima, vous avez sans doute remarqué que tout est fait pour vous montrer comment on gagne le ciel, comment le Seigneur désire intervenir dans vos vies. Ici à Fatima, la Vierge est intervenue d'une manière lumineuse dans la vie des trois enfants. Eh bien, voyez-vous, la vie de la sainte que nous célébrons aujourd'hui, Edith Stein, nous révèle quelque chose. Comme le nom l'indique, elle est née dans une famille en Allemagne, famille juive au départ, mais absolument pas pratiquante. Et à un moment donné, alors qu'elle est brillante en philosophie,
elle devient l'assistante d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Edmund Husserl. Et là, elle perd entièrement la foi. Elle n'est plus rien. Philosophe. Et alors, comme elle fréquente des milieux intellectuels, elle est souvent invitée, et à un moment donné, comme elle aime lire, n'oublions pas, c'est une universitaire, dans l'une de ces soirées où elle était pour plusieurs jours, elle ouvre la porte de la bibliothèque. Forcément, ça l'intéresse. Les gens qui l'accueillaient étaient très cultivés. Certains diront par hasard, mais il n'y avait pas de hasard. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Elle tombe sur un livre écrit par une autre sainte, Sainte Thérèse d'Avila. Certains avaient demandé à l'époque, au XVIe siècle, que Thérèse écrive sa vie, une biographie. Alors, Thérèse, Bénédicte de la Croix, qui s'appelait Edith, prend ce livre. Alors pour elle, comme c'est une intellectuelle, lire un livre en une nuit ne pose aucun problème. Elle ne voit pas les heures passer, elle lit, elle lit, elle lit. Au petit matin, le soleil se lève, elle a tout lu. Elle ferme le livre et dira « Ceci est la vérité ». Et elle demandera le baptême catholique. Alors voyez, frères et sœurs, tout s'est joué pour cette juive en lisant un livre. Alors, ça veut dire quoi? Que si on t'offre un livre un jour spirituel, vérifie d'abord que ce soit un bon livre, hein, parce qu'on trouve de tout aujourd'hui. Et si c'est un bon livre spirituel, peut-être que Dieu va te parler à travers ce livre, peut-être que ça va être un tournant dans ta vie, peut-être que le Seigneur va choisir ce moyen-là pour te parler directement et te donner une impulsion inattendue vers le chemin qui conduit au ciel. Alors, n'hésite pas à ouvrir certaines pages pour lire, lire et encore, comme Thérèse Bénédicte. Et finalement, ce n'est pas étonnant si, après son baptême, bien longtemps après, elle suivra Sainte Thérèse jusqu'au bout en devenant carmélite comme elle. Tu vois l'influence? Alors voilà, sache qu'un jour, tu as rendez-vous toi aussi avec le ciel et ça passera peut-être par un livre. Ce n'est pas la première. Et je terminerai par là. Avant, Saint Augustin, qui était païen dans la Rome de l'Antiquité, il était dans une tristesse profonde après avoir connu beaucoup d'échecs. Sa mère, Monique, que nous allons bientôt fêter, avait laissé la Bible sur une table. Et dans son cœur, il entend « Prends le livre et lis ». Conversion. Une fois de plus. Donc, sois certain que peut-être ça t'arrivera à toi aussi. Et si, quand le jour viendra, va jusqu'au bout. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, et élevons vers le Seigneur notre intercession. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que, sous la protection des saints anges, l'Église puisse vivre en paix et libre de tous ses ennemis, prions le Seigneur. Pour que, par le ministère des anges, nos offrandes s'élèvent à la présence de Dieu et que nous soyons acheminés vers le ciel, prions le Seigneur. Que les enfants et les jeunes ne se laissent pas tromper par les mensonges et l'ennemi, et qu'ils soient protégés par ceux qui vivent constamment dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te prions.
Dieu éternel et tout-puissant, daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. C'est par lui que nous proclamons tes merveilles quand nous rappelons la victoire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, heureuse de savoir qu'elle intercède pour nous dans le ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Thérèse Bénédicte. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ô Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, la Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Thérèse Bénédicte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre, verse sur ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène paix très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Irène Steinmetz et Yvonne Kite, qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ses saintes paroles, nous osons prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rassure-nous devant les épreuves. Libère-nous du péché. En cette vie où nous attendons la réalisation de cette bienheureuse espérance que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
chaque jour. J'aurai à jamais. Prions encore le Seigneur. Nous avons goûté au bonheur sans fin, Seigneur, en rappelant le souvenir de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Et en prenant part à ce repas, toi qui nous as donné de célébrer tes mystères, nous te rends-nous capables de les accueillir avec générosité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Vierge et de tous les saints, Dieu vous accompagne, ici à Fatima et partout où vous irez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.